Laurent Travers, nos joueurs Dan Carter, Celsus Johnson, Dimitri Jareski, qui, comme vous le savez peut-être, puisque vous avez le rugby, ont ce week-end une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc malheureusement, on ne pourra pas rester très longtemps avec vous, mais ils ont tenu à venir vous dire que le rugby, c'est le rugby bon, mais c'est aussi le rugby amateur que vous présentez. Donc merci à... Et bien sûr, si on prend toute cette précaution, cette préparation qu'organise Laurent avec Laurent Lamy, c'est parce qu'on a, comme on le dit, dans le rugby, quelques intentions en allant jouer contre les Irlandais, hein, ce week-end. Oui, je crois. On va vous dévoiler l'équipe aujourd'hui. Donc, pour moi, la visite, ça représente quoi? Ça représente le fait que le rugby est unique, hein, il est uni, et entre vous, le monde amateur, et nous, le monde professionnel, et il y a le même ballon rond, la même joie de jouer, et les mêmes valeurs. C'est ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui. Je sais ce que Gérard ne déploie comme énergie pour faire vivre le club, je sais ce que les différents présidents qui s'en sont succédés ont comme ambition pour votre club, donc je ne peux que vous encourager à continuer à œuvrer dans son sens, dans le sens du rugby. Je vois que la région, la ligue régionale est bien représentée par son président, donc je le salue. Je vois que donc Jérôme, la presque tout le matin du rugby français qui est venu aujourd'hui à Domont. Hein. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle saison. Si vous avez quelques questions à nous poser, on est tout prêt à y répondre. Bien sûr, on va essayer avec les dirigeants de Domont de travailler sur vos écoles de rugby, faire un peu de détection, pourquoi pas. Si vous êtes de jeunes joueurs, un peu plus tard, ayez des clubs inconnus dans le temps qu'ils viennent chez nous. Et puis ça peut vous permettre de dire à vos joueurs les plus talentueux, bah, oui, vous jouez à Domont, mais après la marge du dessus, c'est le Racing. Et inversement, nous, on peut avoir des joueurs qui ont envie de prolonger leur carrière. Et en besoin de temps de jeu qu'on pourra éventuellement vous envoyer. C'est des accords qu'on essaie de prendre avec les clubs en France. On a pris d'accord avec Nevers il y a peu de temps, la semaine prochaine avec Vannes, qui va jouer notre dernier match de championnat. Donc on est tout prêt à étudier avec vous les possibilités de rapprochement entre les clubs.